tout le monde et bienvenue à la saison numéro 4 de Un chef dans votre panier, votre émission de cuisine préférée. Je suis toujours en compagnie de mon fidèle compagnon, le chef Christian Cause. Comment ça va, chef? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien, merci. On sait que les gens attendaient avec impatience le retour de Un chef dans votre panier et c'est aujourd'hui que ça commence. Alors, pour débuter cette saison-là, chef, qu'est-ce que tu nous concoctes? Alors, on va faire une poire de Chine au bleu danois et au saucisson polonais. Et comme plat principal, on va faire un filet de bœuf en croûte de sel à la d'ajou. Ah! Donc, on commence en force. Juste le temps de rassembler nos choses et on se revoit dans quelques instants. Alors, pour la recette, on a des poires de Chine, OK? Saucisson polonais, il y a un bleu danois, on a du sucre brun, des graines de sésame grillées, tomate raisin ou tomate cerise, on a de la ciboulette, du cresson. Pour faire une petite recette de poire de Chine au bleu et au saucisson polonais. Ça aurait pu être une autre sorte de charcuterie, ça aurait pu être une autre sorte de fromage, puis ça aurait pu être une autre sorte de... De poire. De poire, mais poire de Chine, bien souvent, les gens ne savent pas trop... Connaissent moins ça. Ils connaissent un petit peu moins ça, puis ils ont peur un peu, mais c'est comme une pomme, c'est très juteux, c'est raffiné comme goût. C'est vrai. C'est désaltérant. C'est sucré, c'est fibreux un peu, mais pas désagréable. C'est un petit goût de coconut en bouche, mais c'est excellent, c'est super bon, vous devriez l'essayer. T'as de l'air d'une coconut en bouche. Le fromage bleu, chef, c'est peut-être assez... des fois assez touché, là, mais d'en choisir un pas trop fort. Pourquoi un bleu danois? Vu que la poire de Chine est très juteuse et je dirais même sucrée un peu, le goût de salin qu'il y a, tout ça, ça va se marier très bien. Donc, ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer. Puis, c'est une recette qui va se prendre normalement avec un bon petit vin rosé. Oh, plein. On a tout ça? Non, oublie ça. OK, bon. Alors, la première chose qu'on va faire, on va se faire notre petite vinaigrette. Parce qu'au lieu de mettre du vinaigre, tout ça, vu qu'on a du vinaigre de cidre, puis de l'huile d'olive, ça va empêcher de noircir un petit peu. Parfait. On se souvient comment on fait ça, on va faire ça à l'œil, là, mais... On se souvient de la posologie. Normalement, c'est quoi la norme? C'est un tiers, deux tiers? À peu près. Hey, t'es bon. J'ai pris des notes. Tu sais, chef, comment je concocte tes recettes à la maison et que je m'attribue le mérite sans dire que ça vient de toi. Je suis tellement un bon cuisinier depuis ce temps-là. Non, pas tant que ça, finalement. Ouais. Ce qu'on va mettre dedans, une petite pincée de sucre brun. OK. Sucre brun, aussi communément appelé de la cassonade. Ou du sucre de canne. Un peu de poivre. Un peu de sel. Mais chef, tout en faisant cette petite vinaigrette-là, es-tu content de me retrouver et de retrouver tes spectateurs pour nous concocter des recettes? Puis, j'ai pas là, tu sais, renouer avec un chef dans votre panier, ça faisait déjà un bon moment là, qu'on s'était pas retrouvés. Je vais être franc avec toi, là, et à tous les jours, tout le monde m'en parle. Chef, ah oui. Il va se faire une émission Un chef dans votre panier. Chef, il va se faire une émission Un chef dans votre panier. Quand on a coupé notre présentation, oui. J'ai coupé la poire en demi, on va enlever une partie de la chair. Parce qu'on va la farcir. Ah, intéressant. Intéressant, hein? Es-tu capable de faire ça? Tu voudrais que je le fasse? Bien là, tu ne passeras pas la saison à me regarder travailler puis à parler pour rien. Bien, je t'ai bien. On va faire les deux, puis il ne faut pas que tu me la brises, hein? Puis on regarde la pelure. OK, parfait. Pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, vu que j'ai fait ma petite vinaigrette, oui. Je vais pouvoir mettre mes poires dedans, tout ça, parce qu'il y a un acide dedans. Alors, ce que je vais faire, je vais peler la poire. OK. Ben, regarde. Elle est moins belle que toi, là, mais elle est pas pire. Ah oui, c'est beau. Correct? C'est beau. Ça, je peux jeter ça, hein? On gardera pas ça. Ben là... Les pépins, veux-tu te faire pousser ce qu'on va faire? Des poires dans ta cour? Non, on le gardera pas. Alors, tu vois, peler. OK. Couper. Enlève-moi le centre. Pendant ce temps-là, je vais prendre mon bleu, je vais le couper en petits cubes. On fait tous des petits cubes de ça, là. OK? Tu me suis? Oui, des petits cubes. On fait tous des petits cubes. T'en ferais un petit cube.
Mais le bleu, c'est tellement savoureux, hein? J'ai hâte de voir celui-là, mais c'est quand même touché. J'imagine qu'avec le sucre, c'est ça, ça va bien s'équilibrer, mais il faut voir. Et confiance. Ben, je te fais confiance, chef. Les yeux fermés, ou presque. Alors, tu vas me couper les poires en petits dés, comme ça. En petits dés, au palais. Là, tu vas rire de moi? Ben là, comment ça, on va rire de toi? En petits dés. OK, regarde. Ce que tu peux faire, c'est une petite incision comme ça. Oui. On coupe comme ça, pas trop large. OK. Et puis on coupe. Coudonc, je suis en train de la faire. Hein? Ben là. En petits dés. Okay. Ici, je vais enlever la membrane. On va dire ça comme ça. On va enlever la membrane. Je pense que je viens d'échapper mon couteau. Ah oui? Et voilà. Tu vas me mettre ça dans la vinaigrette. Les dés, j'ai mis tout de suite dans la vinaigrette? Oui, pour que ça noircisse. Tu vois, j'ai un petit peu de saucisson de Bologne. Polonais, je veux dire. Bologne. Du bon ballonné. Excusez-moi, là. Non, non, c'est du polonais. Hein. Ça base de porc et de poulet. Et voilà. C'est bien. On mélange pas tout de suite. Okay, prends-toi une cuillère. Commence à brosser délicatement. On va mettre les graines de sésame. Un heureux mélange, sérieusement, là, ça a l'air très bon comme ça. Ça, là, en plein mois de juillet, là, tu laisses tempérer un petit peu au frigo. C'est frais, c'est rafraîchissant. Regarde, tu peux pas te tromper avec ça. Il y a du jus là-dedans, tu sais, c'est bon, là. Et voilà. On aurait pu les couper encore un petit peu plus petit, mais je te pardonne. Ben, je te rappelle qu'il y en a à moitié que tu as coupé là-dedans. Oui. Tu vois, on fait un beau petit dressage comme ça. Tu me pardonnes parce que je suis pas bon ou... Bon, je te pardonne tout simplement. Tu as pitié de moi? Tiens-moi ça, une seconde. Mets ça là en attendant. Je vais me chercher un autre petit coup de poule. Je vais juste assaisonner... Faire un fond de cresson? Juste assaisonner un petit peu mon cresson. Un petit peu d'huile d'olive. Mais j'ai une surprise pour toi tantôt. Là. T'as une surprise pour moi? Ah oui, oui. Regarde, la cuisine, là, c'est selon notre imagination. Faut pas avoir peur de risquer. Ouais. Faut pas avoir peur de faire de découvrir des choses nouvelles. Non. La vie est tellement courte, on peut-tu... Hein? Ah, tu vas juste en présenter un. Hein? Regarde bien ça. C'est tout simple, rien de compliqué. En tout cas, moi, chef, avec tout ça, là, je commence à avoir faim, là. Tu sais comment que les... Bon, regarde, tu commences à avoir faim, là. Mais là, mon homme... Non, là... mais je t'ai pas dit ça. Dans le fond, moi, je pourrais pas goûter au plat parce que je suis au régime, hein? Ben non, tu sais bien. Bon. OK. Fais-moi une décoration avec ça. Fais-moi un montage. Fais mieux que ça, dans le fond? Je te demande pas de faire mieux ou pire. Je te demande, regarde, pour ce qu'on peut faire avec deux plats. OK? Je vais te donner une chance. Tu peux même mettre de la salade de couleur. Ah, oh, c'est ça, la petite surprise. Tu peux faire ta petite vinaigrette. Ah oui? Prends pas deux heures, on n'a pas deux heures à faire la recette. À M. Pittsburgh. Est-ce que t'as de l'huile d'olive, chef? Ben, tout est à côté de toi, mon homme. Ça, c'est de l'huile d'olive? Ben oui. As-tu du vinaigre balsamique, d'abord? Tu veux du vinaigre de balsamique? Ouais, j'aime mieux ça. T'as mieux ça. Bon. Capricieux. Et voilà. J'ai tout dans mon garde-manger. Et voilà. Quand je rouvre les dons, j'ai les mains huilées. Ouais, ben, moi aussi, un peu... Ça y est, on recommence la semaine. Ouais, mais faudrait y faire une petite incision. Ah ouais, vas-y. Comme une bouteille de vin, hein, faut que tu enlèves le. Vous avez vu, hein, ça commence. Un chef dans votre panier. Oublie ça, j'ai les mains. Attends, regardez pas. Je suis pas capable. J'ai les mains glissantes, chef, là. Et voilà. On en met grossièrement, et voilà. Hein? Quel meilleur instrument en cuisine, chef? Tu me l'auras dit à maintes reprises. Bon, je vais faire comme toi. Fais ce que tu veux, mon homme. Et voilà. Tu veux, moi, je me mettrais plus ma salade comme ça. Puis là, moi, ça va déborder. Et voilà. Bon, elle tient pas comme ça. Je vais mettre un petit morceau de pomme. Ah, c'est ça ta surprise, gars. On peut finir par faire quelque chose d'intéressant. Une petite tomate avec c'est ça. Pas, c'est moins chic que ton assiette, mais écoute, un point pour l'effort, chef. Un point pour l'effort, mais il va falloir que tu t'habitues
En plus, ça a débordé ici. Ça a débordé. Je suis pas fier de toi. Hein? Tiens. Vas-y, fais-moi une présentation, puis moi la mettre à mon image après. Non, tu sais, c'est beau. C'est beau. Moi, tu m'invites chez toi, tu me fais ça de même. Je me dis, waouh, c'est original. Bon, ben, j'espère que. On va prendre des photos. Ça n'a pas l'air trop fou. Ouais. Non, non, non. Genre, Maxime, jamais que. Hein? Jamais j'oserais de te dire que ça a l'air fou. La cuisine, ça n'a pas l'air fou. C'est inventif, c'est créatif. Bon. J'ai hâte de voir si c'est bon maintenant. Là. Ben. C'est sûr, c'est bon. Oh, on goûte mon assiette. Ben on, oui. On va prendre ça comme un compliment. Ben oui, un petit peu de tout. OK. Là, attends, je vais faire attention parce que là, les madames me l'ont dit. Ça, on mange pas comme ça. C'est pas une pelle que t'as dans les mains, garde. J'ai de l'air fancy. Ils t'ont dit ça. C'est vrai, c'est pas une pelle, garde. Tu veux encore mieux, comme ça. Regarde. Comme ça. C'est-tu correct de même? Je sais pas si c'est correct, mais en tout cas. Super bon. Fromage bleu prend pas trop de place en bouche. Sucré, fromage bleu, ça va super bien. Le saucisson vient comme enrober tout ça. C'est vraiment bon, délicieux. Puis là, c'est vrai à déguster avec des amis l'été ou même une petite entrée bien simple là, en à côté. Là. Très délicieux, chef. Wow! Puis ceux qui ont peur un peu du bleu, commencez avec un brie bleu crémeux, tranquillement. À déguster sur des petits croutons de pain, des choses à même, vous allez découvrir le plaisir du bleu. Mmh. Alors, on est prêt pour la prochaine? Oui, plaisir bleu. Très délicieux. Alors, chef, ça a bien été hein, pour l'entrée? Ça a entré, hein? Ça a bien rentré, en tout cas. Ça a bien rentré. Je suis bien content. On poursuit maintenant avec le filet de bœuf en croûte de sel à la d'Anjou. Oui. Vous expliquer pourquoi oui. À la d'Anjou? Oui. Est-ce que c'est la recette originale? J'imagine que non. Ben, quand j'ai commencé mes classes... De cuisinier, il y avait... Je pense que c'est M. Rémi d'Anjou qui est venu me montrer cette recette-là. Rémi d'Anjou, c'est qui, ça? Ça, c'est... Hey, si on ne connaît pas Rémi d'Anjou, on trouve mieux de se flinguer, là, je ne sais pas. Là. Rémi d'Anjou. Puis je me souviens, j'étais petit cul dans le temps. Hein? Là, il est rentré dans ma cuisine, puis il me dit, je vais te montrer comment faire un bœuf au gros sel. Parce qu'il y a des variantes dans ça. Tu sais, normalement, là, on va prendre du gros sel, on va prendre de la farine, okay. On va hacher les herbes, on va mêler ça ensemble, on va mettre un petit peu d'eau, puis des blancs d'œufs, puis là, ça fait une croûte, ça fait comme une pâte. OK. OK, mais là... On n'a pas de farine, les herbes vont être sur le filet mignon. Pour expliquer un petit peu, ça nous prend soit un filet mignon de bœuf. Normalement, il va le montrer avec un filet de bœuf. OK. On peut faire ça avec de la longe de veau, filet de porc, whatever. Il n'y a pas de problème pour ça. OK. Okay. Ça nous prend de la demi-glace ou du fond de veau, vin rouge, ça prend des œufs, du gros sel, hein? Soit être cachère, ça soit en marinade, ça n'a pas d'importance. Des feuilles de vigne. Feuilles de vigne, tu trouves ça... Sauf ça, c'est en rangée 3. Non, pas perdre ses bonnes habitudes. Pense toi, t'es dans rangée 3. Je pense à rangée 4, ça veut dire. Okay. Alors, les feuilles de vigne, normalement, hein, on va lui couper la tige un peu. OK. Puis on va l'éponger. Mais toi, ben, dans ce temps-là, mon petit monsieur... Oui, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Tu vas partir le poêlon. Partir le bal. Noix de beurre, huile d'olive. Puis on va saisir à bleu. Le filet de bœuf. Tu vois ici, là, j'ai quelques petites garnitures pour accompagner parce que normalement, traditionnellement, ça va faire une croûte de sel qu'on fait cuire. Normalement, on mettait ça dans un torpilleur. Puis là, on mettait notre pièce dans le centre et on la faisait cuire au four. OK. Comme un Pyrex un peu? Pas un Pyrex, en stainless. OK. À 425, grillissant. Normalement, pour l'avoir saignant, là, si on ne se trompe pas trop, là, c'est 15 minutes. Après ça, en temps de repos, 8 à 10 minutes. Oui. Quand on la sortait, on l'entourait d'une bouquetière de légumes. Alors, le maître d'hôtel venait chercher la pièce. OK? Parce que ça, c'est une pièce qu'on casse la croûte de sel. On retire le filet de bœuf, puis qu'on tranche. Alors, le maître d'hôtel, il cassait tout ça. Il retirait la pièce, enlevait les feuilles de vigne,
tranchée accompagnée avec la sauce laquelle. Ah oui? Alors, une petite boucotière, ça peut être brocoli, chou-fleur, des petites carottes tournées, des navets tournées, des courgettes tournées. Aucun trouble. Ici, j'ai mis une grille. On le saisit. On va saler, poivrer un coup qu'il va être bien saisi. Oui. Normalement, on le laisse reposer, qu'il refroidisse. Mais vu pour l'émission, on va accélérer. Ouais. OK. Ça marche? Là, le poêlon, on l'a pris petit parce qu'on rappelle que c'est préférable de prendre des poêlons de bonne grandeur pour la pièce de viande. C'est ça. Pas prendre trop grand. Parce que sinon, ça brûle, ça recarbonise. Là, ça m'a l'air saisi, ça. C'est quoi faire? C'est monter les mains. Il ne faut pas piquer la viande. On veut garder le sang à l'intérieur. Hein? Alors, tu vois ici, là, c'est de la sauce et du romarin. Sauce romarin de préférence ou c'est comme ça qu'on fait la recette? Oui, ben moi, je fais la recette selon M. Danjou dans le temps. Ça commence bien en saison, là, hein? Là, tu vois, ça va être beau comme ça. Et voilà. Les quatre côtes, les oui, oui, tout a été saisi. On le met ici. Oui, mais les là, toi, on merci. En repos. On retire la... On enlève le poêlon de là. Parfait. OK. Tu vois, j'ai haché des herbes. Là, on a notre chaudron. Oui. On va préparer notre sauce qui va aller avec ça. Le chaudron ici? Ça, c'est un poêlon. La petite casserole. Ce qu'on va faire, comme une genre de petite infusion. Là, je rajoute quoi dans le poêlon? On va mettre... un chaudron, excuse. Environ une petite cuillerée à soupe de romarin, un peu de sauge. Mais moi, au niveau liquide, je mets rien? Ah, il y a un peu d'eau? Tu vas mettre du vin rouge. OK. Je voulais te faire l'échalote, mais je ne prendrai pas de chance. Tu mets tout. Tu as tout mis? Tout. Prends-moi les herbes qui sont ici. Mets-moi ça là. Ça fait une petite infusion. OK. Essaye de te prendre tout ça. OK. Ça va? Jusqu'ici, tout va bien. Puis, je vais t'ajouter l'échalote avec ça. Ah, tu voulais pas que je la fasse? Mais il me dit avant qu'on commence. Ah, je vais te faire couper l'échalote. D'après moi, ça roule pas assez à son goût. Ben, c'est parce que, vu qu'on a un liquide pas trop... je voudrais bien que ça infuse un peu. Mais j'aurais pas fait mieux. On laisse infuser ça. Un peu de sel, un peu de poivre. Je vais mettre le fond de veau, demi-glace. Oui, monsieur. Non, il faut que ça réduise au tiers. OK, parfait. Au tiers. OK. À quoi? Gros sel. Oui. Tu vas me séparer les... Tu vas me mettre le blanc seulement. Le jaune, ben, tu le mettras sous droit. Pendant ce temps-là, je vais étendre. Tu vois, il faut enlever la queue et les éponger. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, ça va. C'est juste un œuf là. Hein? Je veux juste pas l'échapper. Ben, c'est pas grave. C'est pas comme si j'avais fait ça toute ma vie. Tu vois, j'étends mes feuilles. Devine. Et voilà. Sens-moi ça. Ouais, l'infusion, ça sent vraiment... On a allumé le four, hein? Je sais pas. 425, on a dit. Grille 100. Bon, je vais aller me laver les mains. Non, reste. Fais-moi le petit mélange. On va mouiller. Fais-moi le petit mélange quand on va les mettre dedans. Ben oui, t'as bien raison. On fait comme une petite pâte. Tu vas m'en mettre une couche dans le fond. Bien réparti ou... Encore un petit peu. Parfait. Là, on va mettre le romarin puis la sauce. Ça a quand même bien réduit. J'ai ici, sur les feuilles. OK. Là, ça réduit presque du tiers. Là. Demi-glace. Demi-glace. Je mets un peu de sel. Un petit peu de poivre. Et voilà. Ça va. Tu peux baisser le feu, laisse ça mitonner doucement. Alors, tu vois ici, normalement, il devrait être froid. Le temps de repos permet quoi? On peut le préparer d'avance. Okay. Mais le temps de repos, normalement, un coup qui est cuit, là, c'est pour que le sang revienne dans le centre de la pièce. C'est ça qu'on veut. Oui. Mais là, ici, l'étape qu'on a faite, c'est pour refroidir la pièce. Okay. Pas que ça soit chaud. Okay. C'est pratique pour nous autres, pas qu'on se brûle tout ça. Tu vois, je mets mon filet dessus. Ah! Tu t'aides? On le recouvre. Oui. Remplis-moi ça. On va faire un beau bloc de sel. C'est ça. Si je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Hein? Ah, c'est ce que je me dis.
Ça va? Oui, attends un petit peu, je vais mettre le reste. OK. Normalement, là, il faut bien le recouvrir. S'il en manque, ben j'en ai des mains. Oui. Greg sent une quinzaine de minutes. OK. 15 minutes à 425. Vous avez vu comme c'est simple, hein? On fait comme à la maison, hein? On prend ce coup, relax. C'est vrai qu'on ne va pas stresser. Nous autres, ce qu'on veut, là, c'est quand on te voit à l'émission, puis quand on vient faire notre épicerie, c'est la même personne qu'on croise. Puis c'est ça l'essentiel. C'est le réputé chef Christian Croze, hein? Toujours de bonne humeur, sympathique, toujours une bonne blague, mal placée, non, c'est pas vrai. En sortant du four, normalement, là, quand on dit une quinzaine de minutes, ouais. Lui, il continue à cuire dans sa croûte. OK. Mais quel est l'indicateur pour dire que c'est ça, quand c'est rigide? Hey, c'est spécial, non, c'est, hein? C'est normal que ça soit rigide. Mais non, je sais. Mais moi, par exemple, qui ne sais pas trop, me dit 15 minutes, c'est-tu assez par rapport à la grosseur de viande? Là, je fais quoi? Je vais être franc avec toi. Il faut faire quelques petits tests. Mais si vous avez vu la grosseur, là, normalement, là, pour un 400 grammes, ouais. On devrait s'en sortir. Sinon, on a de l'air fou. Parce que les tests avec le filet mignon, tu sais, t'en fais pas 3-4, hein? Tu peux le faire avec un rôti de contre-filet. Un rôti? Tu peux prendre une pièce de rôti. Ah oui. Hein? C'est vrai. Non, t'as raison. Puis en même temps, ben. Ce qu'on va faire. On le veut saignant aussi, là. Parce qu'un filet mignon, c'est bon quand c'est saignant, pas quand c'est trop cuit. On s'entend? On s'entend. Tu vois, ici, je me suis mis un petit gratin dauphinois. Ah, OK. Comme on a dit, la petite boucotière de légumes. Chef, toi, est-ce que tu as déjà fait cette recette-là dans ta famille? Est-ce que tu as déjà fait cette recette-là, par exemple, quand tu avais un restaurant? Oui. Ça a fait ses preuves, j'imagine. Ben oui. Ben oui. Et tout le monde t'a demandé la recette? Non. Non? Je la gardais pour moi. Ah oui? Ben, tu partages ça avec nous aujourd'hui? Oui. Mais quel beau geste. Ce que tu vas faire, mon Maxime. Oui. As-tu goûté à la sauce? Non, j'ai pas goûté à la sauce. Tu voudrais que j'y goûte? Est-ce que tu voudrais bien y goûter? Ouais, mais. En tout cas. Je suis pas l'homme bionique comme toi, là, moi, là. Là. Mais là. Parfait, ça. Tu vois la croûte? Je vais la découper. Comme ça, ça va, chef? Ouais, c'est beau. Hey, comme assistant-chef pour cette première émission, je me débrouille très bien, hein? Mieux que les autres saisons, je pense. Ben, tu prends de l'expérience, hein? Ben, à côtoyer les meilleurs. Prendre l'expérience, c'est sûr. Puis le meilleur, c'était toi, là, ça, là. C'était un compliment. Je vais laisser juste quelques secondes. Oui. Parce que c'est sûr qu'il va couler un peu. Il est encore juteux, on le voit. Ah, ouais. Je pense qu'on s'est pas trompé. Que tu t'es pas trompé, tu fais ça? Je suis heureux. Les recettes vont être disponibles ici même au IGA, dans la petite cuisine de chef, juste en face, dans des beaux paniers. Et vont être disponibles également sur le site internet de la télévision d'ici, le télédici.com. Vous allez sous l'onglet émission, vous descendez, vous allez voir un chef dans votre panier et toutes les recettes de la saison numéro 4 seront là. Donc, facile de cliquer, vous allez avoir la recette. Facile à exécuter également, donc à vous maintenant de vous régaler à la maison. Et bon, vos répertoires de recettes, c'est pas mal toi qui le fais, là. Garde-moi la cuisson. Excellent. Un médium rosé. Le centre est un petit peu plus. OK. On peut pas demander mieux, là. Non. Hein? Ben, à part que tu viennes à la maison le faire, là, mais... Ah oui, dans le fond, carrément. Ben j'aime mieux montrer la belle cuisson qu'on a. Je suis fier de moi. Tu es fier de toi? Ben, ouais. C'est bien, ça. On en met 3 morceaux, normalement. Ouais, puis le reste, ben, je le mangerai tantôt. Ça, c'était pour 2 personnes. Est-ce qu'elle est trop? Maintenant, tu peux me critiquer, si genre... Non, mais je trouve, écoute, je te critiquerai pas parce que... Non, non, c'est excellent, chef. Puis tu vas être surpris, ça sera pas plus salé qu'il faut. Ah non? Non. Non, parce que la feuille de vigne, elle a protégé la croûte de sel. Tandis que dans les autres recettes, où est-ce que, comme je t'ai dit, qu'ils mettent de la farine, qu'ils mettent du gros sel, de l'eau, puis qu'ils font une abaisse, tout ça, là, avec les blancs d'œufs, là, puis qu'ils abaissent, ça fait comme une pâte.
les épices dedans. Je ne sais pas si c'est salé, je ne l'ai jamais fait celle-là. Mais celle-là, je la connais. C'est la championne. On va être prêt à déguster? Oui, prêt à déguster. Donc, les armes. Je pense que tu as hâte. Hâte de quoi? D'y goûter. Ben oui, ben oui. Viens pour me dire que tu es obligé. Ah, excuse-moi, j'aimerais ça me prendre un bout. Épelaille. Hein? C'est tendre, ça? Tendre comme un cœur de femme quand ça veut. Hein, le petit goût de romarin, de la sauge. Sur 10. Hey, sérieux, c'est vraiment bon. Petite sauce. Cuit de cette manière-là, on redécouvre un peu le filet mignon. On est habitué au barbecue ou quelque chose, hein, mais de cette façon-là. T'as des arômes, t'as des épices, ben, des herbes dedans. Hey, merci, chef, et merci, monsieur d'Anjou. Hein. Oui. C'est grâce à lui qu'on a, que oui, je me régale oui, aujourd'hui. Sinon, j'aurais fait une petite recette ordinaire avec la croûte de sel à la farine, etc., etc., mais moi, j'aime bien celle-là. Bon, ben, garde, moi, je vais manger. Alors, on revient pour le mot de la fin. Fin, F-A-I-N. Eh bien, oui, c'est déjà tout pour cette semaine. On n'a pas de dessert, mais on a décidé que c'est la quatrième saison. On allait changer un peu la formule. Alors, peut-être que vous allez voir... Vous allez voir assurément des petits changements. Peut-être plus des entrées plat principal parce que chef n'est pas un pâtissier non plus. Mais on va vous donner des petits trucs aussi, des bayonnaises maison, des choses comme ça, vous allez voir, qui vont vous aider au quotidien dans votre cuisine. Sur ça, ben, je te dis merci à toi, Christian, d'avoir concocté tout ça. Mais en tout cas, moi, je me suis régalé et c'est sûr que je vais tenter d'impressionner les convives qui vont venir chez moi avec le filet de bœuf de croûte de sel. Là, c'est impressionnant. Vraiment, découvert un mode de cuisson incroyable, puis le filet mignon aussi, garde. C'était parfait. J'ai vu mort dedans. J'ai vu mort dedans aussi quand on a arrêté de filmer. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, les recettes sont disponibles ici même au IGA, Boucherie Chouinard et Fils de Saint-Anne-de-Beaupré, juste en avant ici de la cuisine, et également sur le site internet de la télé d'ici, le télédici.com. Donc, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Bon appétit! Ça marche pas. Shift! Shift!